Projet du jour. Eh bien, bonjour à tous, c'est Portus et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va vraiment super. C'est pas que tu as un petit peu mal au bras. On verra ça après la vidéo. Merci David. Donc là, enfin le comeback des vidéos en Espagne. Ça fait tellement de bien, ça fait un an, même pas, quasiment 2 ans que je n'ai pas fait de vidéo. En Espagne, donc là on commence bien, hein. Là nous, on fait une nouvelle route que j'avais vue sur internet qui m'avait un petit titillé. Vous savez que quand je me fais chier je suis sur Maps, donc du coup j'ai trouvé ça, j'ai pris note sur ma petite feuille, hein. La fameuse feuille qu'on verra peut-être dans une vidéo. Bon, en vrai c'est un document texte, mais bon, chute. Et donc voilà, dites-vous bien, je me suis fait tester rien que pour vous, hein. C'est faux, en fait c'est que j'ai aussi des trucs perso, mais vous verrez ça dans le carblog d'Easter. Là c'est le 9, le 10, je peux vous dire une seule chose, il sera fait avec Etienne Gamer 25. Voilà. Ça on est en train de s'en occuper. On va se débrouiller. Bon, il sera pas avec moi, on fera ça à distance. On va se débrouiller. Je me suis dit, il y en a bien qui ont réalisé des films à distance. Bon voilà, moi. Donc, pendant tout le mois de juillet, vous aurez pas mal de carlog. Tout simplement pour la simple et bonne raison que, comme je vous ai dit, je vais avoir du mal à vous faire des vidéos ETS. Tout simplement à cause de l'environnement où il y aura mon microphone. Parce que finalement, je me suis débrouillé, je suis arrivé à prendre mon micro. Mais bon, le micro, il sera, je m'en servirai peut-être que pour monter les... Peut-être si j'ai des trucs à rajouter au montage. Et c'est tout, après je pense que je vais vraiment faire du HO comme je fais depuis un petit moment. Parce que on a 35 km de Berga. C'est là où on va d'ailleurs, on va à Berga. Donc pour vous dire, de Berga, après je vais prendre une autovia. Et pour rejoindre l'endroit où a été tourné le Carblog 4. Donc je vous conseille d'aller le voir. Tant que j'y suis, comme ça je vous dis tout. Normalement, dans cette vidéo ou dans le carblog 10, vous aurez une trace écrite spéciale. Pour la simple et bonne raison que, comme j'ai dit dans la vidéo du point sur le projet 2021, toutes les vidéos que j'avais prévues où je voulais parler, bon, pas de la manipulation de masse parce que c'est fait, de la notoriété de certaines choses un peu plus sérieuses, seront annulées pour la simple et bonne raison que je perds systématiquement mon sérieux. Parce que si vous verrez les fails que je fais dans ma salle, avant de commencer mes vidéos. Honnêtement, parce que quand des fois il y a des moments je retarde des vidéos parce que moi j'entends une chanson que j'aime à la radio, je coupe et je me l'écoute, on dirait un gros taré. Franchement, hein, rentrez dans ma salle à ce moment-là, mais vous dites, mais il est fou ce cochon là. Donc, j'ai parlé pour des vidéos à là, du procédé, des TE qu'il va y avoir, du trajet. Du fait que dans la vidéo qu'il y a avant celle-ci, il y a un nouveau lien qui est apparu. C'est un PowerPoint où vous devrez deviner quel est le trajet fait au Carblog 10. Je vous mettrai le corrigé dans cette vidéo, parce que moi aussi il faut que je me décide. Et vous avez aussi sur la TE que je vous ai mis, les trous ont été remplis. Parce qu'étant donné que c'était les trous pour l'endroit où est-ce que j'allais tourner ces vidéos-là, je me suis dit, allez, c'est fait, on remplit les trous, c'est un rouge, je me casse les pieds à vous faire en rouge, alors voilà quoi, lisez ce qu'il y a en rouge, déjà lisez la trace écrite à la base, après, le rouge c'est vraiment le ultra important. Est-ce qu'elle est bien réglée? Oui, qu'elle est bien réglée, la dashcam, c'est cool ça. Et franchement, dites-moi ça en commentaire, est-ce que vous voulez que soit je supprime, soit je mette en non répertorié le carblog 9, le carblog 8, pardon, tout simplement parce que le time lapse c'est quelque chose que j'ai vraiment pas aimé faire, parce que j'ai essayé de le rendre assez attractif, sauf qu'en fait j'ai le son qui a sauté, sinon il y aurait eu des darkas, mais bon, mon son a sauté, j'ai pas eu le temps de le remettre parce que j'ai des trucs à faire personnellement.
J'ai pas pu vous faire une voix off parce que pareil, la vidéo, j'ai dû la monter en zoom zoom parce que j'avais énormément de choses à faire. Mais croyez-moi, le mois de juin, c'était la PLS et pas forcément que pour le brevet. Voilà, c'était aussi pour un petit peu tout. C'est des trucs à faire. J'avais vraiment besoin d'être tranquille. Une vidéo par semaine, c'était déjà limite à tenir. Là, je vais voir si je passe pas le rythme à une vidéo toutes les deux semaines, histoire d'être, d'être plus tranquille, pour me consacrer à d'autres trucs que je fais, et peut-être que ça augmentera la qualité. Parce que je sais pas si vous le savez, de la manière dont moi je fonctionne, mais plus on me laisse le temps, plus les vidéos sont de meilleure qualité. Par exemple, là, nous sommes jeudi 1er juillet, la vidéo normalement sortira demain soir. Là, je peux vous faire de la qualité. Honnêtement, j'ai le temps, je peux vous faire ça bien, comme il se doit. Je vais pas vous faire comme j'ai fait à la dernière vidéo ETS, c'est-à-dire juste empiler les rushs, quelques transitions et basta. J'ai même pas mis de sous-titres. J'en ai même pas mis. Regardez, tu j'en mets tout le temps. Donc, pour vous dire. Et donc maintenant, je vais m'attaquer au sujet de base. C'est pourquoi ai-je dit qu'en début de vidéo, j'ai mal au bras. Pour la simple et bonne raison que première dose de vaccin fait pour... alors, j'ai mes raisons. D'ailleurs, il y aura une vidéo sûrement après la deuxième injection. Je vous fais une vidéo dessus. C'est simplement pour des raisons personnelles au sujet de certaines choses. Ça, pareil, je réfléchirai si je peux vous dire des trucs ou pas. Mais bon. De toute manière, j'ai mes raisons. Donc, voilà. C'est vraiment pas mal. Normalement, GPS il doit pas crier. Rappelez-vous combien de fois j'ai perdu mon autorité devant Waze. Ce cher Waze m'a vaincu. Punaise, mais le vent théâtral que je me suis mis là, c'est fou. Je suis en train de me souvenir de quelque chose, ça m'a fait rire. Ah, ouvre les vaches. En tout cas, c'est assez. Ah, c'est cool. D'ailleurs, je vous laisse débattre hein, sur ça, au sujet du vaccin. Je vous laisse débattre pour ceux qui sont fait vacciner, ce que vous en pensez. Voilà, je vous laisse vraiment faire un débat. Voilà, parce que bon, c'est pas qu'en cours de MC qu'on peut faire des débats. Non, c'est partout, même chez Portus. Parce que si vous vous dites qu'un cochon ne sait pas faire de débat, vous vous trompez. Il sait peut-être mieux le faire que nos politiciens. Vous avez compris, chien, cochon, c'est vraiment un discours animalier. Hein. Ok, la blague n'a fait rire que moi. Mais bon. Ok, je vais essayer de me tenir. Carte DVR parce que c'est la marque de ma dashcam. C'est une carte DVR, je sais plus la référence, mais je sais qu'elle est de 2019. Donc elle est 2020. Elle a que 2 ans, elle fonctionne parfaitement. Je m'en suis pas servi pendant 1 an et 6 mois, quasiment 1 an et demi, à cause du confinement. Après, je vais aussi vous poser une question. Est-ce que ça vous plairait que pour une vidéo, je vous fasse du no commenté, mais pas un time lapse, une vidéo à vitesse normale où je commente pas, je vous montre un petit peu voilà, certains trajets. Est-ce que ça vous plairait aussi ville ou campagne? Voilà, donc pour ceux qui veulent la ville, vous tapez ville en commentaire. Pour ceux qui veulent campagne, vous tapez pompe. Dirigez-vous à gauche, c'est 233. Rappelez-vous de ce que j'ai dit au sujet du GPS. Eh bien, je retire ce que j'ai dit. Et si vous voulez bon, la campagne, vous tapez Pampa dans les commentaires. Tout simplement. Après, il y aura un changement énorme. Parce que Portus va prendre sa retraite. Et il déteste de parler de lui à la troisième personne. C'est El Cerdo qui va le remplacer. Mais ça, vous verrez ça au... D'accord. Mais ça, vous verrez ça au Carvlog 10. Ça, vous verrez ça au Carvlog 10. C'est une petite surprise que je vous garde.
bientôt les 40 abonnés. Merci à vous. On a à 39. Ça me fait très plaisir. Donc franchement, merci à vous. Au 40, il y aura une vidéo UTS spéciale. Je verrai ce que je peux vous faire. Ensuite, si vous avez des suggestions au niveau de mes temps, en 11 minutes, qu'est-ce que je pourrais vous faire maintenant? Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire, donc prochaine vidéo ce sera le Carvlog 10. Moi je continue en route de mon côté. S'il y a des trucs, vous mettrez le bouton. Et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine pour le Carvlog 10, si tout va bien, en compagnie de Dylan Gamer 25. TE dans la description. Et moi je vous dis à bientôt. C'était le cochon.